Christian Tissier is a French Aikido practitioner, one of the very few non-Japanese in history to have reached the title of 8th Dan Shihan. He started Aikido at the age of 11 and is now one of the biggest influences in the international Aikido community. Willing to get to the roots of his art, he embarked in the Trans-Siberian train at the age of 18 for a journey to Japan and started to train at the Akikai Honbu Dojo, where he stayed 7 years, honing his skills and learning the language and culture of Japan. Now, at the age of 67, he gives seminars all around the globe throughout the year, including Japan. It is on one of those occasions that he offered us the opportunity to sit together in the legendary Butokuden of Kyoto to talk about his personal relation to Aikido for over an hour. C'est pour ça que la notion d'étiquette est importante. Parce que l'étiquette, finalement, c'est déjà un cadre qui est facile à observer. C'est plus difficile qu'une attaque shomen irimunage. Donc si déjà tu as acquis l'étiquette, déjà, tu as acquis quelque chose dans la relation avec les gens. Donc c'est ça. Moi, je pense que tu deviens ce que ta pratique t'amène, quoi, tu vois. Et ta pratique, à un moment, quelquefois, tu as besoin d'être plus agressif dans ta pratique. T'as besoin. Pourquoi? T'en sais rien. Quand je dis agressif, pas méchant. Ben, hein. Il y en a qui dépassent la limite quelquefois, okay, qui vont blesser des gens. Mais t'as besoin de ce passage-là. Okay, comme quelqu'un qui a 15-16 ans, ben, il a besoin. Il va faire des conneries, forcément. Tout le monde en a fait, parce que, comme on dit, il faut bien que jeunesse se passe, quoi. Si tu l'as jamais fait, bah, tu le feras à 60 ans, quoi. C'est pire, quoi, tu vois. Donc, il y a des passages dans la vie. Bon, au moins, quelqu'un qui a 18 ans, qui veut travailler comme, tu dis, attends, t'as 18 ans, bouge, voilà, quoi. Secoue-toi, ça me dérange pas que tu sois un peu, au moins, que ça corresponde à ce que tu es, tu vois. Voilà. Et puis après, tu verras, les choses vont changer, voilà. Et de la même manière, t'as des gens qui ont un certain âge, bon, mon âge par exemple, et puis qui voudraient être toujours des chuteurs. Non, c'est plus le moment. Moi, j'ai jamais vu Yamaguchi-sensei chuter. Je l'ai connu, il avait 47 ans, j'ai jamais vu le Dosho chuter, sauf sur des films. Enfin, peut-être une petite chute arrière, mais j'avais vu, enfin, j'en sais rien. Donc, à partir de là, voilà, t'as un statut, tu vois ce que je veux dire. Je serais ravi de pouvoir chuter comme je chutais avant. C'est illusoire, c'est plus possible. Puis c'est pas mon rôle. D'accord? Donc à partir de là, chacun, dans sa période, si t'as jamais chuté quand t'es jeune, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Ok? Maintenant tu dis, ouais, mais moi je veux toujours être jeune, je veux chuter. Ben non, c'est pas ta place, parce que tu perds aussi ton statut, donc tu vas travailler avec des gens qui sont deuxième dame, ils vont te balancer, et puis c'est pour eux non plus, c'est pas le truc, quoi. Tu leur apportes rien de plus, parce que, tu vois, c'est trouver sa place, c'est ça. L'aïkido te l'apprend au fur et à mesure de ta pratique, tu vois. Tu l'apprends, mais en tant qu'enseignant, toi aussi, tu as besoin de dire aux gens, voilà, quoi. Par rapport au statut, bon, moi, j'ai pris Didier dans le 15-7e dan, qui a dépassé 70 ans, je veux dire, c'est un bon pratiquant. Il y avait un autre aussi qui est un bon pratiquant américain, là, Greg O'Connor, bon, qui est âgé, costaud, 7e dan, bon. Voilà, je leur dis, est-ce que tu peux faire une chute avant? Est-ce que tu veux en faire une? Je peux les faire chuter. Mais bon, voilà quoi, j'ai envie que ça leur fasse plaisir aussi en même temps. C'est pas pareil qu'un mec que je vais rencontrer des fois quelque part qui veut me bloquer, je vais même pas le faire chuter, je lui ferai le mouvement, mais bon, j'ai rien à prouver. Et donc voilà quoi, c'est, si ça leur fait plaisir, ouais, je le ferai proprement, tu vois, pour voilà, et ça c'est important. Moi je prends Yoko Sensei, je prends bon, les gens un peu plus qui ont un statut, ben voilà quoi, faut respecter aussi ce qu'ils sont par rapport. Bah, par rapport à ce qu'il représente, parce que c'est pas fake, c'est ouais. Bon, bah, et moi je trouve et cette communication elle me plaît, quoi. Enfin, c'est un peu long peut-être ce que j'explique, mais bon. Non, c'est très une discussion, très quoi. Important. C'est plus une discussion qu'un interview, donc j'essaye de livrer un petit peu ouais, c'est le genre de relation avec les gens. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler. J'ai beaucoup vu ça de beaucoup de gens. Comment bon, tu gères quand ça se passe mal dans la relation avec quelqu'un? Ça se passe mal. Ça se passe plus mal. Non, je le sens pas. Ça s'est passé, oui, quand j'étais quatrième, cinquième dan. Parce que, il y a de grandes chances qu'à cette époque-là, je voulais toujours prouver.
Donc quand tu veux prouver, ben tu te mets toi-même en danger et il y a des gens qui veulent tester. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent me tester quelquefois, certainement, soit je m'en rends pas compte. Soit ils ont pas envie parce que puis si on me bloquerait, je... C'est ce que j'ai entendu deux, trois fois. Des gens d'autres groupes qui sont venus à un testage, ouais, qui étaient venus pour, ouais, voilà, et puis qui finalement, ils n'en ont pas trouvé le cœur. Bah, écoute, bon, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est aussi arrivé de sécher des mecs, hein. C'est bon, j'ai la capacité aussi, hein. Enfin, je veux dire, je suis pas méchant, mais bon, quoi, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des vrais cons. Qu'il a fallu un moment être vraiment à la limite. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Mais ça me gêne. Parce que si ça arrive pas, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture. Puis ça arrive, hein, de toute façon. Juste pour en revenir un petit peu au Japon, et puis tout en restant dans le sujet de l'aïkido d'aujourd'hui, il reste encore. Il n'y a pas beaucoup plus de Français maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans. Ça n'augmente pas vraiment, quoi, le nombre de gens qui habitent ici et qui viennent pour étudier l'aïkido. Alors peut-être que l'aïkika a raté quelque chose ou Non, je crois pas. Non, je pense que pour venir étudier au Japon, il y a deux choses. Il y a un, le besoin technique, qui est important. Et puis aussi, que tu trouves pas, bah, dans ton environnement, hein, ok, ou dont tu as fait le tour et tu dis tiens, je vais aller voir plus haut. Et en même temps, l'attrait du, venir un mois au Japon, c'est du tourisme, même si on fait de l'aïkido. Dire je vais au Japon, je vais rester un certain nombre d'années pour l'aïkido, bah il faut donc avoir un attrait pour la technique et en même temps un attrait culturel pour le pays, la façon de vivre. Il faut ces deux choses. Alors maintenant, les voyages sont tellement faciles. Bon, t'as des gens là qui sont ici, qui sont au Japon 3-4 mois par an. Il y en a un mois, ils repartent, ils ont un dojo. C'est facile maintenant. Tu viens, tu peux t'entraîner. C'est plus simple de faire comme ça que de dire je vais venir longtemps, parce que quand tu viens longtemps, il te faut un appartement, il te faut un boulot. Alors que si t'as la possibilité de t'entendre prendre un mois, tu viens un mois, t'as pas perdu ton... Tu loues un petit truc, donc c'est plus simple. Et ça, c'est possible de faire. Après, sur le plan technique, peut-être qu'il y a moins de besoins. Il y a beaucoup d'échanges en même temps. Enfin, je veux dire, tout au long de l'année, bon, moi, je donne des stages, mais en même temps, il y a ceux qui travaillent pas avec moi, ils peuvent aller avec... Il y a Endo-sensei, il y a Miyoto-sensei, il y a Shino-sensei, il y a Yatada-sensei qui est deux fois par an là-bas, en avril, en juillet. Bon, il y a Mada-sensei, il y a ça, et puis il y a tous les sensei aussi européens. Enfin, donc, il n'y a plus le même manque, quoi. Moi, quand je suis venu ici, les plus hauts grades en Europe, c'était deuxième dan. J'étais deuxième dan. Plus haut grade, c'était troisième dan. C'était des élèves de Tamura, deux ou trois anciens, Roberto, etc., qui étaient plus âgés, qui avaient commencé avant, qui avaient commencé avec Nakazono, avec Janzin, qui étaient troisième dan. C'était le maximum. Si on voulait travailler avec d'autres troisième, quatrième dan, ben, il n'y avait pas. Et est-ce que tu penses que c'est important tout de même que dans l'aïkido français, il reste des gens qui ont une expérience un peu comme la tienne, longue du Japon, une compréhension de la culture? Oui, mais bien sûr, mais il y en a. Il y en a deux ou trois encore, hein, qui sont revenus récemment. Oui, il y en a, mais bien sûr, il y en a. Oui, il y en a. Et c'est important ça pour l'aïkido français, ou est-ce que l'aïkido français, c'est important? Je ne sais pas si c'est important. C'est important s'il ne rate pas quelque chose. Bon, moi, j'en connais plein qui ont raté quelque chose, hein. Et puis ils rentrent, ils reviennent. Le problème, si tu veux, si tu envisages de dire voilà, je viens faire de l'aïkido, puis en même temps un jour je veux enseigner, il faut que tu aies une base très solide, mais une base qui soit pas marquée. C'est-à-dire que tu prends le Rombu Dojo, tous les Uchideshi sont passés exactement par le même moule, d'accord? Même certains qui voulaient pas trop au départ. Malgré tout, ils sont passés par le même moule, d'accord? Parce que c'est comme ça. Et après, chacun vit sa vie. Ça les empêche pas d'avoir des aïkidos différents dans la forme. Tout à fait. Sauf qu'ils ont, voilà, il y a quelque chose. Après, t'as des gens qui vont venir ici, des Français, des Américains, peu importe, pour un ensemble de raisons, parce qu'ils aiment, ou parce qu'on les a pris communiquer, ou parce que ceci, ou parce que cela, ils vont travailler exclusivement avec quelqu'un. Et ils vont avoir la forme de cette personne. J'ai rien contre cette forme. Mais souvent, ça va être difficile quand ils vont rentrer. Parce que
souvent ils n'ont pas l'expérience d'autres formes. Ok. Il faut formater des gens pour que ça corresponde à ce qu'ils font, pour que le kata fonctionne. Hein. Alors il faut lui dire quand je fais ci, il faut que tu. Ça marche pas. Pour ça que ça marche pas. Il faut que t'aies, voilà, il faut que t'aies quelque chose qui soit solide au départ. Voilà, tu connais bien tes katas, suwalewaza, tachiwaza, ikkyo, nikkyo, sankyo, yonkyo, moti, comme ça doit se faire, comme tu vas le faire, comme tout le monde l'a appris. Et après, tu, voilà, tu vis ta vie, ça intéresse pas, c'est, voilà. Tu ramènes des choses, mais voilà, les choses, elles partent sur quelque chose de elles ont une fondation solide. Si t'as pas cette fondation solide, ça marchera pas. Tu viens au Japon très souvent? Non. Pas très souvent ans. Maintenant. Oui, à peu près. Je passe. Oui. Quand j'ai quitté le Japon, je suis venu pendant une quinzaine d'années, à peu près 4 mois par an, 2 mois l'hiver, 2 mois l'été. J'ai continué donc à venir travailler. Bon, puis après, bon, ça s'espace parce que après, mais on peut, moi, enfin, je suis au Japon, je peux pas aller dans les cours de quelqu'un d'autre parce que ça se. Quel est ton rapport au pays, aux gens? Alors, quand tu viens ici, tu te sens comment? Bah, soit c'est dans le cadre de l'aïkido, bon, c'est des rapports qui sont totalement différents, évidemment, on peut le voir, quoi, des rapports que j'avais quand j'étais ici. Après, le rapport avec les gens, ouais, j'aime beaucoup parce que je me sens bien au Japon. D'abord parce que c'est là que j'ai passé finalement mon adolescence, ma jeunesse est une jeunesse japonaise, quoi. Je me sens bien et puis plus ça va, plus je me sens, oui, je me sens très à l'aise dans la communication parce que je sais comment ça fonctionne, je sais comment, voilà. Quand j'habitais au Japon, je parlais japonais mieux que maintenant. Normalement, je parlais tous les jours. Bon. Des fois, je parlais japonais avec quelqu'un et il voulait me répondre en anglais. Ah, ça m'énervait. Je suis pas américain. Mais. Maintenant, je suis content parce que voilà, il a envie de me faire plaisir. Je le comprenais pas à l'époque. J'étais borné. Je comprenais pas. Moi, il y avait des gamins, on était dans un temple, là, ils étaient contents comme tout. Hello, hello. What is your name? Moi, si mon petit-fils qui a 8 ans, il voit un espagnol ou un américain ou un japonais qui va le voir pour lui sortir 3 mots dans sa langue, mais je suis hyper content. Et on le comprend pas, ça. À un moment, enfin, ça a dû t'arriver, tu vois. On met des barrières, mais non. Ok, donc moi, les relations, maintenant, elles sont beaucoup plus faciles. Il y a l'expérience et le détachement qui... Il y a le détachement, mais oui, voilà, bon, voilà, bien sûr, on ne prend rien. Moi, j'attends rien, donc on n'a rien, voilà, j'ai pas de... Quand tu es arrivé en 68, ouais, 68-69, c'était juste après les dernières insurrections, manifestations violentes qu'il y a eu au Japon. Alors 68. Ça a commencé un peu après 68. Ça a duré un petit peu. Ah ouais, parce que nous c'était mai 68. Oui, et ici c'était un peu après. Un petit peu après. Oui, c'était violent, hein. C'était violent. Ah ouais, je me rappelle. On parle d'un pays pacifique. Ah non, mais c'était. Alors, c'était pas aussi violent qu'en France, quand même. C'était pas aussi violent qu'en France, parce qu'il y avait moins de monde. Mais oui, c'était. Oui, ça bougeait bien, ouais. Ah oui, je me rappelle bien, ouais.